Ah, il participe au Pandora, c'est beau. Par contre, on a une Moonstreak à 2. Vas-y, c'est quand le Pandora? Juin, il paraît. Mais oui, c'est le 10-11 juin. J'espère que j'ai pas pété. Okay. Bon, on va en faire que deux. Alors, du coup, histoire de la durée de la première. Oh, by the way, Crafter, I see I was maybe 20 seconds behind your time on Racing Plus 9 Karak. Reroll, c'est pas starter, mais totalement. Mais totalement. That was kind of funny because I've got 4 minutes reset on my ZXO. So. That sucks. Les bons conseils du Pilotorman, vous voyez, je pense. Là. Totalement, on va plutôt garder ça. On va copier. Hop, hop. I beat your 14 karak, yeah. Oula. Please don't die. I got pretty good free last character, but my Maggie and my Lilith sucks, so. I don't know if I will try add more of this category or I don't know for now. Ah oui, Nero, j'ai plus du tout de nouvelles de lui. C'est un peu triste, mais bon. Écoutez. C'est mon état actuel, hein. Bientôt un an que j'ai plus de nouvelles de lui, ce qui est un peu triste. Enfin, j'espère en avoir un jour parce que c'était vraiment un gars très cool et que je m'entendais énormément bien. Et... Verra, j'espère. Chaud les yeux. Bouge le tonneau. Bouge le tonneau, bouge le tonneau, bouge, bouge. Ah oui, la secrète a été au nord de l'item. Ah oui, d'accord. Ouais, bouger le tonneau, ok. Fais de loin avec ton bassin. C'était pas des ronds. Idiotement. Espera! Ah, plus en luck. Ouais, on va voir. Hein. 9 et 8 pour trouver un starter. Mais non, mais ça marche pas comme ça le streak. Voyons. Oui! T'as écrit sur un peu de vitesse pour aller plus vite. Ah, ok, on n'y a pas de soucis. Il n'y a vraiment pas de soucis. Y'a pas de bombe au shop. Ouais, Nifly, c'est un des premiers qui m'a suivi. Il doit être dans les 100 premiers followers. En fait, on a dépensé 5 pièces pour avoir une bombe. Ah, le jeu de Pax, c'est en début d'année dernière, ça. On va refaire des petits trucs comme ça, hein, je vais essayer. Ah, ça valait le coup. Mais là, j'ai dit, je vais essayer de reprendre un peu la chaîne en main et on va essayer de refaire des petits trucs sympas.
quelque chose à faire là-dedans. Je suis toujours pas moto, eh oui. J'ai du mal à le dire. Ah oui, j'ai eu du mal là. Pas autant un feu de camp. Totalement. Les bonnes ambiances. Bah on va pas se faire chier avec les rondes parce que là on n'a pas le même truc là pour les pilules. J'ai un peu l'impression de devoir bouffer de l'insecte pour te voir. Bah en même temps c'est le jeu que je maîtrise le plus hein. On va faire plein d'autres choses. Mais j'ai essayé. Ça va être du Stunfest 2016. Ah oui. Un grand moment de ma vie. Non, vraiment, le Sunfest... Oula! Ma télé va s'éteindre! Ma télé était passée en mode économie d'énergie! Oulala! Ah, terrible! Ma télé en mode Go Home Your Drink, hein. Mais ouais, Isaac, c'est le jeu que je maîtrise le plus, donc c'est pour ça, en fait, je me sens mal, en fait, ce serait bien un jeu que je ne maîtrise plus. Je me sentais bien. Avec la bonne pizza dell'arte, ouais. Et mon ex à l'époque. Je ne suis plus avec cette Madame Chigan là, hein. La Madame Chigan a changé. J'espère que ce soit la bonne cette fois-ci. Il n'y a pas de raison. Oh. Bikini Beach Bikers, effectivement. Le meilleur jeu de tous les temps. Alors, par contre, ce serait bien une clé là. Comme ça. Ah, il est très bien. Mais si vous voulez, on refera un ultime dessus, hein. Bah, c'est un sujet délicat à aborder en stream. Oula. C'est un sujet très très délicat à aborder en stream. Je n'en parlerai pas. Je peux donner plus d'infos en privé, mais j'en parlerai pas en stream. Ah, c'est GG. Hein. Bonjour à la nouvelle. Normalement, elle est sur le chat. C'est la bonne. Non, on va pas en parler. Pas le droit, tu. Les règles du strict, c'est tu fais ce que tu veux. Bon. Je vais essayer de pas l'utiliser. Ouais, non, mais après, oui, mais si. Si vous voulez plus d'infos, c'est pas non plus des trucs, c'est pas secret défense, hein, c'est. Je vais essayer de pas l'utiliser, encore une fois. Mais non, mais y a pas de triche. Jamais, jamais ça a été stipulé que je trichais. J'ai eu la base 22, c'est coup de bol. Cet homme est terrible. Est-ce que je vais être allié Est-ce que je vais être allié de la communauté des streakers de The Lost? On est deux. Ça sera Red et moi-même. Oh, maintenant si cette run est nulle. Ah, elle sera bien. Mmh.
da-da-da. Il battra jamais Mazamiel à cause de ça. Oh, c'est moche! Ah, mes yeux! Ah, je souffre! Oh mon dieu. Et il est où le trophée marqué hein? Ah, j'ai bombé. On va essayer de faire en sorte de pas mourir. Après, si on meurt, on meurt. Hein. Oh, le charge! Oh là. Que même, je suis gagné des lunettes, c'est vrai, jouer à qui est-ce? Ah, lol, je sais pas, j'ai jamais joué, donc je peux pas dire. Mais on a dit jamais avant le. Oh putain, Red il va me tuer. Jamais l'item room avant. Ouais, j'aime pas ça. Franchement, je veux dire, je préfère le cookbook. En fait, la ronde devrait être plus rapide. Hein. Flynn Hook. Bah oui. Est-ce que même Chigan ressort. Oui. Tu stream jusqu'à quelle heure? Je sais pas, on va voir. Si la ronde termine pas trop tard, je peux peut-être en relancer une derrière. Je mettrai sur YouTube, je pense. On va essayer un peu de refaire vivre tout ça. Il y en a qui ont de la chance. Ah, j'ai... elle est très jolie. Elle sera la semaine prochaine. Mais il n'y aura pas la cam. Regardez, il rougit. Non. Le modem, on va plus le prendre parce que c'est nul. J'ai gagné 3 millions. C'est beau. C'est beau ce que vous dites. Eh oui. Non, non, je sors pas avec mes élèves. Ouf, t'es fou. Dans une basse-cour, lol, kappa. Qu'est-ce qu'on se marre? Chigan, tu es drôle. Âge en moyenne tes élèves 17 ans. Putain, vous les tuez. Non, non, ils sont gentils. Ils sont attachants. Ils sont attachants. Je vais avoir une petite larmichette parce que mes secondes, je vais les quitter mercredi prochain, je les verrai plus. Je vais quand même avoir une petite larmichette, je pense. C'est, mine de rien, c'était ma première classe, donc il y a toujours un petit aspect, on va dire, attachant. C'est la classe avec, probablement avec laquelle je vais être titularisé. Donc... Ils sont gentils, mais ils sont jeunes. Et puis c'est que des mecs, hein. Je ne suis pas de ce bord-là. Je suis désolé pour certains. Mais j'ai barré de Mercury. Oh lol. Étrange.
Saison quoi, 16? Attends. Oh, genre la super secrète à l'entrée de la secrète. À l'entrée du début. À l'entrée du début, quoi. Physique, chimie, maths, les deux. Les deux, mon capitaine. Je suis le prof préféré de mes élèves. Bon, c'est chiant. Hein. Saison, c'est une MILF. Ah, moi qui ai vraiment tapé une MILF. Non, non, c'est nul! Let's do it. Alors, on a 15 pièces. Je sais plus ce qu'il y avait d'intéressant. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose. On va quand même retourner voir. Il n'a pas compris la vanne. C'est 13 et 3. 16 ans, quoi, 16, 13 et 3, t'es nul. Non mais c'est quoi ta blague? Non mais 16, mais j'ai compris. Mais c'est une blague pédophile, mais c'est nul. On va se refaire chier. Les amis, on va se refaire chier. I found pills. Non, le modem c'est nul. C'est franchement nul à chier le modem. Attends, le modem c'est quoi? Avec François Bayrou. C'est broken modem. Isaac. Oui, mais 13 et 3, mais j'ai compris. C'est comme 17, c'est 14 et 3. Ou 15 et 2. Même 16 et 1, si tu préfères. Oh, il va être terrible. Enemies, enemies, shot, steer, pick-up, will briefly freeze in place, and throw material. Ouais, non, mais c'est nul. Hein. C'est franchement nul. Hein. C'est franchement nul. Non, c'est très étroit. Très étroit. Marc Dutroux ? Non, je pense qu'on fera que deux runs parce que ça va être long. Ben oui. Ben oui, j'ai compris. S'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez-moi. Attendez. Ah, oh, c'est incroyable. Marc Dutroux. Marc Dutroux, hein ? Mac dit tout. Alors. L'emmerdement. Ah, on a une clé. Je suis un mongolo, je vais me doucher. La bonne douche. Va te laver, tu es sale. Puis me donner dans la douche. Je vais me boucher. Il est con. Mais qu'il est con. On l'aime notre Zazima. Pas oublier qu'on a une vie en plus, si jamais. Hein. Il y a une odeur. Toujours, hein. Solution de sûreté. Sortir, re-rentrer. C'est la base. Je fais tout pour déconcentrer Chiyan. Rien à faire. Bah non, mais je suis concentré, moi, monsieur. Bah, il est trop fort, évidemment. Je suis prof. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi mes objectifs dans Isaac? Bah, mon objectif c'était en Racing Plus Tenkarak d'avoir un sub 1.40, je l'ai eu hier. Et un sub 3h, je l'ai eu hier. Là, avec The Lost, l'objectif c'est d'aller le plus haut possible. Si possible, à 10 au moins, ce serait bien. Donc, on verra si je peux aller plus haut ou pas. Je sais bien, c'est ça qui est bien avec The Lost, c'est au moins ça dure pas trop longtemps. Sinon après, tu es Streak Eden, ça fait 300-0, un peu la flemme. Hein. T'as besoin d'une barre pour Bob's Brain, hein. C'est ça. Ah, pour Lil Boim, ouais, mais la barre est proposée, donc de toute façon... Oui, non, Bob's Brain, non. Bob's Brain, j'aurais déjà hurlé. Hein. De full justice, utilise justice, la base.
Remember, allez faire la boutique avant d'aller voir cette putain de merde de Secret Room. D'item room. Je sais pas. Il dit des trucs mystiques. Ouais, Nero, il a toujours dit des trucs mystiques, alors. Je sais pas ce que ça donne deux fois la carte de Rose. C'est... Ouh. De zéro en temps. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. J'ai fait une run à Isaac Sartre aussi quand j'avais fait une tentative de streak. Je crois que j'étais arrivé à 15-0 en stream. Puis ça m'a saoulé en fait. Pourquoi la boutique d'abord? Parce que tu peux avoir un item qui s'appelle There's Even More Option et. Et boum, Isaac Sartre encore. Mais ça, c'est risque direct. Hein. Ça te dit, le speedrun, un plan de Miami 2? Non. Faudrait déjà que je le fasse. Je le ferai peut-être en stream, mais bon. Il est rare dans le jeu. On sent mine de rien que les 20 de luck tout à l'heure ça avait fait du bien. C'est pas terrible. Pour ne pas dire c'est nul. J'ai eu les sacrifices sur Fury. Sur Fury j'ai pas joué non plus. Donc, il faudrait que je le fasse également. Ça me manquait pas ça par contre. Spiron de Retrix, bien entendu. Ça te dit Spiron et Cave Story. Tu parles de quoi là? Quel est ce jeu? Je connais pas. Mushime Sama Ultra Hard. Allez, c'est parti! Et volant 2. Oh! Faudrait que je lui donne une deuxième chance, mais sans, en faisant pas en blind run. Parce que j'avoue que la blind run m'avait vraiment baisé, quoi. Ouais, ça m'étonnait. Non, je pense voir où elle est. Spiron de Shenmue. C'est parti! Pas si long que ça en plus, je crois. Le 2 est long, mais le 1 non. Dans mes souvenirs. En casu, ça caca. Ouais, mais c'est nul en casu. Non, mais franchement, les volants 2, c'était de la merde. Shenmue, bah j'ai. Bah j'ai pas trop joué. Bah j'ai pas joué, même tout court, hein, donc je peux même pas dire. Hein. Et de Godin Evil. C'est très bien. Non, mais il y a des petits jeux cool là dans tout ce que vous citez. Hein, mais. Si vous voulez voir du casu de ma part, je peux en faire, ça me dérange pas. Hein. Bon, on a une run quand même plutôt bien. Hein. Dev Hospital. Je viens de voir que t'as changé ton pseudo. Ah bah ça fait un mois et demi, hein. Ça... Il était peut-être temps. J'ai changé pendant le boiler, je me suis même fait engueuler par Chrome, ça alors bon... J'en ferai quand j'aurai déménagé. Ah nice. C'est toujours sympa, hein. Il y a une pièce. Un Spiron de Catherine, mais il y en a qui en font. Hein. T'as mis Sans Zwanzig qui en fait. Je pensais à lui en premier, je sais pas pourquoi, mais. Crumbs s'engueule tout le monde. Oui, oui, mais après, Crumbs, il est pas méchant non plus, quoi. On l'a un peu. On lui a un peu tiré dessus. Avant même qu'il.
avant même qu'il fasse quelque chose. Alors qu'au final, le mec, bon, il m'a juste un peu rouspété, on va dire, pour le coup de la chaîne Twitch que j'avais changé. Ce qui est compréhensible, à un moment, il m'avait dit un truc, j'ai compris de fil en aiguille pour partenariat. Donc encore une fois, j'ai plutôt compris quand même pourquoi il m'avait engueulé, quoi. Donc, il y avait rien de très méchant derrière, en fait. C'est un businessman, en fait, comme ça, c'est... Lui, il était là pour le fun des viewers, parce qu'il a pensé aux viewers en premier, et pas aux speedrunners d'Isaac. Donc c'est pour ça que ces règles, moi, je les aimais pas. Mais bon, j'ai pas dit, parce que bon, pour 2000$, tu fermes ta gueule, honnêtement. Même le plus abruti des gars, ou même un gars qui va te dire, vendu, sac à merde, tu participes au boiler, tu peux juste pas dire merde à quelqu'un qui te file 2000$. Bah non, mais il y a des gens qui le font très bien. Donc au final, on peut dire ce qu'on veut sur Crumbs, mais le boiler a quand même été une réussite, il y a eu 2500 viewers. Ouais, les viewers ont plutôt apprécié, c'est les speedrunners d'Isaac qui n'ont pas apprécié. Mais c'est normal, c'était pas un tournoi pour les speedrunners d'Isaac, mais pour les viewers de Twitch. C'est juste ça, hein. Ouais, 80%, oui. Bien sûr, mais tout ce speedrun, hein. Tu as déplacé le Bitpiece. Oui, parce qu'il y a le tournoi de Slash SP en même temps. Et étant donné que Slash est un pote, j'ai pas envie non plus de lui dire merde à Slash. Oh, mais il y a des montres, mais regarde, je suis bien du sick exos. Alors, le Boiler, c'était un tournoi sur Banic of Isaac qui a eu lieu en février. À cause de Slash. Non, mais après, j'en veux pas aussi, il est passé devant. Hein. Qui a été organisé par Crumbs 2, qui est un. Quelqu'un qui a énormément, on va dire, de drama derrière lui. Il a pensé son tournoi pour les viewers. Il a fait un tournoi de base pour les viewers de Twitch. Sauf que les speedrunners d'Isaac ont gueulé en disant « Ouais, le rule set c'était de la merde, par exemple, tu pouvais pas mourir, tu pouvais pas faire un nombre de resets infinis. » Mais après, c'est Twitch qui a aligné 5000 sur la table et qui a dit « Voilà, tu fais un tournoi, il y a 5000$. » Il y a 5000$ à gagner en tout, et tu gères le tout. Et ce qui s'est passé, c'est que Crumbs a, après, on va dire, un peu plus ses décisions pour le tournoi, en estimant faire un truc qu'il estimait être fun. Mais au final, il n'était pas tant que ça pour nous. Mais après, on s'en fout. C'était pas le but du tournoi, c'était pas de faire plaisir aux speedrunners, contrairement à des tournois comme le BFF2. Je sais pas pourquoi, je pense celui-là en premier, hein, mais c'est le premier qui m'arrive en tête. Ça, c'est les tournois. C'est les tournois qui sont là pour faire plaisir. Et du coup, en fait, tout le monde a craché dans la gueule à Crumbs en disant oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Au final, personne n'y a vraiment laissé une chance. C'est vrai que c'était pas ouf. C'est pas le tournoi où j'ai eu le plus de fun à participer de très loin. Mais ça restait plutôt sympa quand même. C'était un bon moment, il y avait quand même les potes speedrunners, bon. Alors, en soi, c'était quand même plutôt une réussite, comme l'événement a ramené 2000 viewers. Ouais, mais Bob's Brain, c'est une probabilité assez faible. Puis en plus, il aurait été en troisième position, ce qui... Si au final, ça va, quoi. J'aurais dû l'utiliser, oui. Bon. Bravo. Spine, la base. Non, mais après, Oula, non. Non. Voilà, par contre. Ça, non. C'est pour ça qu'en soi, le boiler, certes, n'a pas plu. Mais c'était pas un échec. Tu peux pas dire que c'était un échec, un tournoi comme ça. Parce que les gens ne pensent pas que. Bah, pensent que le tournoi était pour les speedrunners d'Isaac et que c'était un tournoi compétitif sur Isaac. C'est vrai que c'était pas vraiment le cas. Parce que de toute façon, le tournoi était fait pour... Non, je vais pas le faire. Je suis pas fou. Le tournoi était fait pour Twitch et pas pour les speedrunners d'Isaac. C'est ce qu'il faut se dire.
Mais c'est vrai que un œil, on va dire, plus habitué à René Isaac aurait préféré un tournoi, je pense, plus basé sur, sur l'exécution. Moi, je sais qu'un tournoi de RSID, c'est ce que je préfère sur Isaac maintenant. De l'été au quartier en grande taille. Faut voir. Je vais voir s'il n'y a pas un dagazan. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a plu, bah 5000 viewers, hein, je crois. Non, 2000 viewers. Il y a eu 2000 viewers, sans me souvenir. Oui, ça a plutôt plu, quand même. Faut se dire aussi que dans les 2000 viewers, t'en as 90% qui sont pas des speedrunners d'Isaac du tout. Hein. Ah bah faudra que tu me dises alors, ça pourrait m'intéresser, ouais. Hey Bintim. Ça peut être Missing No, hein. Puis toi, je sais pas. Non, ça peut être un... Ça peut être un Missing No. Bah attendez, on va voir. On va voir, je vais voir si ça vaut le coup. Je regarde Secret Room Item Pool, hein. Mettre ça là. Non mais attendez. Charge, enculé. Bah ouais, voilà. Laisse tomber. Ouais, je pense qu'il faut le mieux laisser tomber. Ouais, vu ce qu'il y a... Ouais, il y a surtout ça, hein. Non, ça vaut pas le coup, y'a rien de pété. Après, le drama est une part... Oula. Concentration, là, parce que... Petite frayeur. Bien. C'est pas terrible. Pression qui réveille, ouais. Enfin, je me pose beaucoup sur mes lauriers. Oh, je joue pas ma vie, merde. Change room sans TP, c'est dangereux. Non, c'est safe. Regarde. Franchement, ça valait le coup. Tu lis quel site pour les jeux? J'en lis pas. Oh, mais ça valait le coup. Je vais réfère aux avis de personnes proches à moi ou... Sinon, les jeux, je les ai un peu, on va dire, spontanément avec le Humble Bundle.
Gamecult est cool, ouais. Bah, Gamecult est assez objectif, donc c'est bien. Donc une pièce de Guppy, hein. C'est pas beaucoup. Hein. La run n'est pas garantie, hein, mais... Bon, après, on a juste la Shadow derrière. On va essayer de faire ça. Mais après, si on fait avec, on fait avec, quoi. J'ai déjà 3 Pretty Flies, mais... on va rien trouver. Avec 4 de luck, on va rien trouver là-dedans. Oh non, Gamecube, c'est bon. Droite Léviathan. J'étais en mode, je me suis touché par quoi? Ah oui, la sortie, évidemment. Ma playlist YouTube, c'est mon mix. Hein. Celle-là sera dans la playlist finale. Vous verrez, elle sera pétée la playlist finale. Mais là, on... Oh, attends, quoi que... on va la mettre maintenant. On va la mettre maintenant parce qu'il n'y a plus qu'une heure de stream à peu près. Comme ça, vous allez la voir. Vous allez voir. Ah oh, putain, mal aux jambes. Monte le son de la zik. Vous l'entendez pas encore? Non, vous l'entendez. Non, mais j'ai pas eu le temps de regarder encore une fois. Je vais vraiment essayer de le faire bientôt. Ouais, j'ai vu Fury dans les propositions. Oui, bon, je pense que vous entendez. Là, franchement, si vous entendez pas, bah... alors je ne parlerai plus. Ça, c'est Eka qui l'a proposé, et franchement, c'est du bon. Ah, elle est ouf. L'OST de Travisor, franchement, elle est ouf. Le jeu, je l'ai pas fait, je vais sûrement faire un jour. C'est prévu que je le fasse, de toute façon. Non, pas besoin de dépenser de beaucoup. Le DVD, il a déjà été pris. On devrait être bookworm aussi. Hein. Ah, c'est Depths 2, en plus. J'entends pas. Je ferme ma gueule. Ah, nice. Encore un PB. Un PB. Ouais, ouais, bah oui, mine de rien. Je pensais que j'étais à Depth 1 en fait, mais c'est vrai qu'on a eu Brony. Pas une ronde de ouf, hein, quand même. Il va falloir être solide sur les gros combats, en fait.
Ah mais j'ai fait un pipi hier en fait, c'est ça le truc. Un gros pipi en plus. Môme rouge, je crois qu'on a eu la môme rouge aussi en classique. Bon, aujourd'hui en tout cas, visiblement. Un petit guppy ferait du bien en fait, mais on est à 6,45 de dégâts, c'est la librime en fait qui fait tout. Sans la librime, je pense que ce serait dans la merde. Bon, on a bien tout ramassé. Ouais, on a un cœur! Je t'ai pas, j'ai un DM de physique. Pourquoi tu m'as pas demandé? Je te le fais sans problème ton DM de physique, m'en va les couilles. T'as la rapidité et le résultat garanti, c'est quand même beau. Équation horaire, relativité restreinte. Alors là, c'est un peu de la merde par contre. Steph. Comment on va? Un temps intéressant sur cet étage. Good. Ah, c'est bien. Bien un trinket autre en fait. La relativité restreinte, c'est quand tu vas très très vite. Voilà, trois mots. Crystal Ball, ouais, je prendrais. T'es dans les souvenirs, c'est un centième de la vitesse de la lumière. Ça signe que c'est la relativité. Ça, c'est mieux de jouer. Force PS. Force Hollande. Grand Mercury. Ah oui, force PS. 3 x 10 puissance 8 mètres par seconde, ouais bah du coup je crois que en fait tu estimes qu'un mouvement est relativiste à partir de 3 x 10 puissance 6 mètres par seconde. Comme c'est un mouvement qui n'est pas naturel, voilà quoi, t'estimes que le coefficient gamma qui est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 va rentrer en compte dans tes équations. Mais je crois pas qu'on voit ça en terminale. Oula. Va faire gaffe les amis. On va rester loin, hein. Un petit peu loin. Non, non, oui, plus non. Ah, il y en a un troisième, merde. Ça y est, tu m'as saoulé. C'était le but. Bah, gamma, c'est racine de 1 moins V2 sur C2 au carré. 1 sur racine... Attends, c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Au carré.
exploites comment une connaissance comme ça, bah V ça va être ta vitesse, et C ça va être la vitesse de la lumière au carré. Après, je sais plus comment on l'utilise cette formule là. Je crois que c'est avec l'impulsion. GG pour tes pièces. Tu joues à Carbel Space. Non. Non, j'ai jamais compris ce jeu d'ailleurs. Ça me saoule. Je suis assez de calcul, on va dire, dans ma vraie vie. J'ai pas envie d'en faire en plus dans mon loisir. C'est bien avec la lock qu'on a, le Noose Goblin il marche bien. GG pour tes pièces. Tu veux dire quoi pour GG pour tes pièces? Amnesia, ça vaut le coup. Tu as juste vu pas utiliser donc tu peux pas dire. Ouais, ah, bienvenue dans le programme de Terminal S, c'est de la merde. Pièce de racine. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas, monsieur. D'accord. Faudra pas que je le prenne à mes élèves, y a pas le relat pour l'instant, programme de bac pro. Ça va. J'ai fait littéraire, moi, monsieur. C'est beau. D'autres choses en physique, si tu as déjà exploré tout ce que tu vas apprendre à ta classe. Bah, après, c'est de l'intérêt hein, pour la matière. Hein. Bon, comme il n'y a plus grand chose d'intéressant, on prendra le poney. Donc, moi qui t'ai compris. T'es sûr, tu ferais que d'autres peuvent comprendre. Totalement. Ah, Krampus. J'étais pas littéraire du tout, hein. C'est... Ah oui, d'accord, GG pour tes racines, ouais. Ouais, bravo. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bien, c'est génial, j'adore ce que tu fais. Cool. LOL. 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 Il y a 15 objets, j'ai l'impression. LOL. Non, non, mais après aussi, je vais passer la règle derrière. Hein. Un tabac à l'Académie française pour cette vanne, je vois ça. Tu feras pas un tabac sur mon stream en tout cas. Cette luck, non mais faut ouvrir les pièces les amis. Bon je pense que la run est garantie maintenant. C'est quoi cette salle? Ouais ça arrive. Racing Plus a deux mises à jour en ce moment, ça rentre les quoi, je pense. N'oubliez pas qu'on a toujours le jeu à Shadow au pire. Hein. Oui. Ah mais je vous ai dit, la nouvelle playlist elle va déchirer sa mère. Hein. En fait, là, j'espère juste des lock-up.
Non, attends. Elle tournait en boucle l'ancienne. Ouais, ben. On s'améliore au fur et à mesure. Oula. Non, je vais pas m'amuser beaucoup plus parce que. Là, celle-là, et puis c'est tout. Hein. Bon, bah, arrive. Oh, mais il y aura beaucoup de choses. Hein. Toujours à Caen? Ouais. Plus pour longtemps, normalement, mais toujours. Toujours à Caen, toujours debout. Il est pas né, ou mal barré. Plus Zelda, oui. Mais en fait, je pense que pour pas me faire strike sur mes vidéos YouTube et... Merde, oula. Ennemi à la con. Pardon. Je pense pas que je mettrais une musique, on va dire, plus classique, quoi. Genre... Depeche Mode et tout, j'en mettrais pas, quoi. Mais les openings d'animé et trucs comme ça, j'en mettrais. On espère une bibliothèque ou un mini-boss, un truc comme ça. Un petit Z4, ça serait sympa. Ce serait vraiment la plus-value, on va dire. Vraiment ce que j'appelle un Z4. Hein. Ils sont pas chiants avec le droit, un peu aussi, ouais, mais c'est pour ça en fait. Hein. Bon bah y'a rien d'autre sur cet étage. Et peut-être là, super secret. Oula. On va bien te faire foutre. Cordialement. On a pas fait ça, non? J'ai l'impression que Noose Goblin ne fonctionne plus par contre avec les pièces. Ça, c'est une synergie à savoir. Ouais, Undertale, il y en a. Peut-être qu'il y en aura après, je sais pas encore. Bon. Ben, je crois que je sais pas le toucher, mais. Ouais, le Noose Goblin ne fonctionne plus. J'ai jamais fait fesse, donc. Je peux pas dire. Ouais, battre le boss. La secrète, honnêtement, j'ai aucune putain d'idée d'où elle peut être. Peut-être là. Bon, on va pas beaucoup oser plus. Là, allez, puis dernière. Yes! Yes! Ça valait le coup! Ouais, non, c'est dur. Ah, c'est une Noose Goblin, il fonctionne encore. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose, hein. Ah, la musique de Shovel Knight, oui, elle déchire. Je pense que nous allons battre le pivot de Zamiel. Je pense que je m'avance pas trop, surtout avec Ujash Shadow.
T'as même utilisé pas de Shadow, fais pas le fou. Après, c'est mes règles, je m'en bats les couilles, j'ai envie de dire. Mais t'as vu, j'ai joué beau jeu, j'ai dit je l'ai, je vais pas l'utiliser. J'ai joué beau jeu. C'est moi, je suis comme ça, j'aime bien la France, moi, tu vois. Le PB, il est en haut à droite, personnel best. Il est actuellement à 1. Tant bien que c'est le premier essai. c'est pour ça. Ah, nos res items. Bon, bah, on fera un res item. La France se nourrit, te donne la RMI. Non, elle ne donne pas le RMI. Cure. Ça, parce que je vais battre son PV de toute façon. Bon, on fera un res item si vous voulez. J'ai pas peur, de toute façon, je suis un champion, champion. Et en restant. Bah, j'ai pas peur, mais je suis quand même parti de la salle très vite. Ouais, bah, quoi qu'il arrive, le RSA, je le touche pas, donc. Et moi, je vais élever vos futurs enfants plus tard, merde! Hein? Mais ça, on n'en parle pas assez, monsieur! Oui, je suis énervé! Moi! Moi-ha, moi-ha, moi-ha. Et on a la belle se péter. Moi-ha, moi-ha, moi-ha. Moi-ha. Qu'est-ce qu'on se marre? Ça chauffe, on va être maintenant, ouais. Je pense que c'est l'analyse la plus lucide de la soirée. Oulala! Je savais pas que ça. En fait, ça bute pas. Hyperlet Drifter. Ouais, ouais, Hyperlet Drifter, il y en aura. Sera foutu à ma con, saloperie. Saloperie de ma con. Non, mais ça va. Pas un compli, le perso. Ouais, plus de cette chose qu'on clote, en vrai. Ouais, c'est mon avis politique. C'est un roi de réserve. Je n'en dirai pas plus. Vous avez un petit travail d'analyse pour savoir pour qui je vais voter maintenant, on va dire. Très léger, très minime, ça devrait passer. Bon, on va essayer de fermer le jeu jusqu'à moi. Bon, ce Gascan est cool. Hein.
Ah, l'OST est pas fini! Bon, on va pas surcher à ce point-là. Hein. Je vous rassure. Bon, encore une fois, elle est pas finie, ma playlist, hein. Là, pas du tout. Hein. Bon, allez. Je pense qu'on peut rusher. On pourrait se faire plaisir en farmant tout, mais je suis pas sûr que ça a un intérêt extrêmement grand. Extrêmement extrême, je dirais même. Ça devrait être 2-0 cette histoire. Non, le Libra c'est... Non. T'as deux doubles The Cage quand même, hein. Bon, on s'amuse en clair en tout, faut aller. On s'amuse en clair en tout, hein. Pff, oh, quoi que. Franchement, bon, allez. Deux zéros. Bon voilà. Bon, vu l'heure, je vais pas en lancer une. On va voir qui est-ce qui stream. Incroyable. J'ai même c'est long. Bah, je referai du speedrun rapidement. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, ça change un peu. Il y a ça qui speedrun, hein.